Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur MC Edit pour une nouvelle série qui débute aujourd'hui qui consiste à faire des choses sur MC Edit. Tout ce qui est faire une statue, créer un spawner, faire un mob spécialisé, toutes ces choses-là, mettre une map. Ça sera tout disponible au fur et à mesure que je vais faire mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va juste vous apprendre les petites bases. Apprendre à sélectionner, qu'est-ce qu'un filtre, comment changer le spawn de place, comment changer le player de place, comment faire une broche, et tout. Alors, pour commencer, exemple qu'on veut sélectionner ici, mais là, on s'est trompé, c'est pas ça qu'on veut sélectionner, on fait déselect. Alors ça désélectionne directement. Ensuite, si on veut faire ça comme ça, on peut faire copie. Past. Ah, ok, excusez-moi. Alors, on peut copier là-bas, past tout. Alors, on peut rotate, roll, le mettre dans les airs dans le fond. On peut le flipper, mais en fait, on peut pas flipper, mais on peut faire ça, miroir et tout. Alors, exemple que nous, on veut pas faire ça. Ensuite, on déselecte parce qu'on voulait pas sélectionner ça. On sélectionne ça. Et là, on pourrait delete les blocs. Delete bloc. Oups. Tenez. Alors, ça, c'est delete. Select. Mettons qu'on veut remettre les blocs. On sélectionne. Pour sélectionner, c'est vraiment juste clic gauche. On le garde enfoncé. Et on sélectionne. Alors là, j'ai désélectionné dans le fond. Là. Comme si on veut faire ça comme ça. On peut prendre les côtés pour. Si on voudrait, exemple, faire ça directement. Flouk, flouk, flouk. Là, je suis pas sûr que je suis. Ah non. Tenez. Exemple. Ensuite, on fait floum. Et c'est tout. Alors, vous faites. Attendez, attendez. Ici, file and replace. On prend de la boîte et OK. Alors, c'est bon, file. Flouk, c'est fait. Alors, deselect. Vous voyez qu'on voit même plus le trou. Après ça, on peut sélectionner. On peut sélectionner le chunk. Alors ça, entièrement, c'est tout un chunk. Alors, on deselect. Après ça, on peut analyser. Il y a 580 grasses là-dedans et... Ah non. Ouais, c'est ça. L'idée, le name et la grâce, puis il n'y a pas d'air parce qu'on a juste sélectionné ça. Tandis que si on ferait ça, on ferait analyse, il y a beaucoup plus d'air que de grâce. Alors je sais pas ça pourquoi ils mettent ça là, mais c'est pas grave. Alors on refait ça comme ça, on peut cut, copy, paste, export. Export, je sais pas trop à quoi ça sert personnellement. Ensuite, on peut faire ça comme ça. Toum. Ici, tiens, en dessous, on met ça. Attendez, regardez. Fait qu'on pourrait se faire une belle montagne. On fait ça comme ça. Tenez ici. Et flouk.
Alors ça fait une petite montagne, vite fait, on s'entend. Mais ça pourrait quand même faire une belle montagne. Si on se dit qu'on ferait en grâce. Oups. En fait, après on peut remplacer. Hein. Allez, on fait ça comme ça. Alors, c'est tout. Alors, on sélectionne un petit peu plus grand. Toum. On agrandit et on cote. Ah, merde. En fait, après, on fait. On remplit comme on a fait au début. Bah, en fait, ça, je vais le faire hors cam. Parce que vous savez comment le faire. Je vous l'ai montré. Delete, delete. Alors, c'est ça. Ensuite, pour le brush, c'est fait. Le filter. Le filter, je vous ai dit qu'on le verrait aujourd'hui, mais on le verra pas. Malheureusement, on le verra. Ben, malheureusement. On le verra pas aujourd'hui. On va le voir dans les autres vidéos. Sinon, ça va trop vous dire c'est quoi. Fait en fond, là, je vais faire un petit peu. Je vais vous dire c'est quoi en même temps de réparer ça. MC. Ben, à quoi ça sert MC Edit. Même si vous l'avez quand même un petit peu vu. C'est un logiciel qui va vous servir. Je l'aime ça refaire les deux en même temps. Alors, je vais arrêter. C'est un logiciel qui va vous servir, dans le fond, à faire tout ce que vous pouvez pas faire dans le jeu. Exemple, exemple, exemple. Ce que vous pouvez faire. Ben, c'est vraiment tout ce que je vous ai dit au début, là. Faire des statues, faire toutes plein de choses comme ça, des spawners, des mobs perso et tout. Alors chaque fois, moi au début, je me demandais avant de connaître ça, à quoi ça sert? Pourquoi il y a tout le temps MC Edit, en tout cas, pas entre parenthèses, mais entre signe comme tic-tac-toe là. pourquoi il y a toujours ça dans les maps? Je faisais exemple Cake Défense. Il y avait ça. Toutes les maps, il y avait tout ça. Alors, c'est à ça que ça sert dans le fond. C'est tout modifié. Alors, si vous voulez. Changer le spawn de place, vous avez juste à prendre ça ici. Chlouk. Et ok. Oups. Fix it more for more. Alors, je sais pas comment le dire. Fix it for me. Fix it for me? Tiens. Fixing. Fixed. En fait, après, go to player. Move player. Le player, moi je décide qu'on le met ici. Il va être ici quand il va respawn. Align player to camera. Ici. Go to player. Et voilà. C'est tout. Ça sera pas une vidéo super longue. Ça va être une petite vidéo d'entrée pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec MCEdit, la base. Alors, dès que j'ai le temps, je vous fais une vidéo qui va vous montrer des choses plus intéressantes. Hein. Pas nécessairement non plus plus complexes, mais plus intéressantes, c'est sûr. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Abonnez-vous et cliquez j'aime.